seul respect. Zéro limite. Radio Libre. Tous les soirs dès 21h. Difoulez sur Skyrock. Difoulez sur Skyrock. Alors, méthode Saint-Valentin pour Romano. Bah, moi aussi, bah oui. Bon, bah, spécial Saint-Valentin, alors c'est ça, demain. Bah, c'est demain donc. Bon, bah, méthode Saint-Valentin pour Romano et Cédric. Qui aura la meilleure méthode? Parce qu'on peut faire plein de choses pour la Saint-Valentin. C'est grave. T'as un truc un peu particulier, Cédric, à proposer? Oui, j'ai un truc particulier. C'est quoi? En fait, je vais appeler les familles, je vais demander à parler à la femme ou si que l'homme. Et je leur, pour la Saint-Valentin, je leur offre une nuit de folie. D'accord, et toi, Romano? Moi, j'offre ma bite, moi. D'accord, très bien. C'est un peu la même chose, hein. Bon, moi, c'est un peu plus classe, quoi. Moi, c'est cadeau. Folie, toi, c'est la bite cash, comme ça, un coup de queue, quoi. Donc, le but, c'est de séduire l'homme, la femme, en tout cas les familles qu'on va appeler en direct. Quelque chose à dire à tes supporters, Cédric? Ah, il va falloir me soutenir, la team Lebel, j'ai besoin de vous, là. J'ai envie de gagner ce clash ce soir. Lundi, on l'a laissé gagner, c'est son anniversaire. Ce soir, on passe aux choses sérieuses. Ouais. On vote Cédric tout à l'heure. D'accord. C'est parti pour toi, Cédric. Allez, on va. Premier coup de fil. Un coup de fil chacun, attention. Allô? Ouais, allô? Ouais, Patrice? Ouais. Comment vas-tu? Bien, et toi? Bah, nickel, nickel. T'es tout seul à la maison, là? Hein? T'es tout seul ou t'es avec ta femme? J'ai ma femme. Ah bon, bah, très bien. Tu peux me la passer, s'il te plaît? C'est pour la Saint-Valentin. Bah, quoi? Je voulais lui faire un cadeau pour demain. Ah bon? Bah, ouais, histoire de changer, histoire qu'elle soit heureuse un petit peu. Ouais, d'accord. Et vous dormez jamais, vous êtes? Bah non, on dort pas là, justement, soir, je voulais pas dormir, je voulais dormir avec ta femme. Ah bon? Ouais, je voulais passer à la maison. D'accord. Y'a moyen que je passe, histoire de m'occuper d'elle, pour lui faire un petit cadeau, là? Ouais. Histoire de lui offrir mon corps pour cette nuit de folie. Quel cadeau. Ah, je peux te dire, gros, qu'elle va s'en souvenir toute sa life. Ouais. Ah oui, putain, elle va... Je vais lui faire l'amour comme on jamais lui a fait l'amour de sa vie. Ah bon, c'est bien. Eh, limite, je te ferai une démonstration, si tu veux. D'accord. Et puis après, t'essaieras de faire comme moi. D'accord. D'accord. Ok. Et puis, bah, si t'es jaloux, je te ferai l'amour à toi aussi. D'accord. T'as envie que je te fasse l'amour? Ouais, ouais. Bon, bah, écoute, prépare tes petites fesses. Hey, dis à ta femme de se préparer, puis j'arrive, je vous fais l'amour à tous les deux dans ce cas-là. D'accord. On va se taper un truc à trois. Okay. Allez, à tout de suite, Patrice. Il met de la bonne musique pour ambiancer. Ouais, il écoute un truc qui déchire. Ah, un truc de lover. Ça va ambiancer sec ce soir, là. Ouais. Bon, j'arrive, à tout de suite, Patrice, bisous. Ah, mais là, il est à fond dans le sound. Bah, là, il se prépare, là. Là, il joue du banjo, là. Je joue du banjo, t'attendant. Bravo, Cédric. Voilà. Oh, et voilà, c'est quoi. C'est pas vrai, ça. Les six, le public applaudit. Merci, merci, merci. Bravo, Gourmand, il a bravo le beau gosse. Bam, un appel. C'est vrai qu'en ce moment, il y va. Un truc à trois, quoi. Ah, il y va, il y va. Hein. Je vous fais une petite démonstration comme ça, moi, cadeau. Allez, hop, hop. Ah. Romano, à toi. Essaye de faire un peu un truc comme moi, quoi. Quelque chose à dire à tes supporters, Romano? Bon, ce soir, mes amours, on fait comme lundi. Hein. La même en mieux. Francis. Francis pour la Saint-Valentin. Allô? Allô, Francis? Oui. Ouais, bonsoir, comment tu vas? C'est de la part de qui? C'est de la part de Jean-Louis, là, je suis un copain à ta femme, là. Elle est là ce soir, je l'appelais pour la Saint-Valentin, là. Jean-Louis. Jean-Louis, elle est là ou pas, la belle? Ouais, mais c'est de la part de Jean... Jean-Louis, ouais. De Jean-Louis, oui. Donc, écoute, je vais passer... Jean-Louis, comment? Jean-Louis et Jean-Louis David, je suis coiffeur. Ah, mais moi, je vous connais pas, monsieur. Ah, ben, moi, je connais ta femme, hein. Donc, ce soir, je voulais lui amener son cadeau pour la Saint-Valentin. Non, mais c'est une connerie. Non, non, mais sérieux, moi, je vais passer à la baraque, là. Je suis là dans 5-10 minutes, maxi, hein. Elle va pas, on va t'expliquer. Ah bah, y a pas... Ouais, bah, on va discuter 5 minutes, parce qu'après, moi, je comptais m'occuper d'elle. Hein. Ouais, bah, passe. Ah bah, je vais passer, et plutôt deux fois qu'une. Et puis, à la limite, je m'occuperai de toi par la même occasion. Je crois que ce soir, t'en as besoin qu'on s'occupe de toi. Ah, vas-y, viens, je t'attends. Ouais, mais je crois que toi, t'as besoin de tendresse et de sexe. D'accord. Je crois que je vais te détendre les fesses ce soir. Oh. D'accord, bah, t'as qu'à venir. Je vais t'élargir la rondelle. Ouais, viens. Bah, je viens vite. Eh ben, je te dis à tout de suite. Ouais, je t'attends tout de suite, viens. Bah, attends-moi un poil, là, comme ça au moins on perd pas de temps. Hein. D'accord, je t'attends tout de suite. Ouais. Viens, avance. Eh ben, tu dis à ta femme aussi. Ah, bah là, j'avance, là. D'accord. Ouais, ça suffit, hein. Ah, bah oui, ça va suffire, là. Bon, bah écoute, je suis là dans 5 minutes, mon Francis. Ok. À tout de suite. Ouais. Oh. Alors là. Wow. Je crois que je vais prendre la tête. Excité de monter, mais vous. Comme tu l'as dit, Cédric, tu l'as dit toi-même, tu l'as excité. Même Cédric te fait des compliments. Merci, Cédric. C'est monsieur l'arbitre, il faut savoir reconnaître les choses. Hein, dans la vie. Alors là, vraiment, vous nous avez fait un deuxième démo, tour. Attends, tu veux un deuxième tour. Je comprends pourquoi. Pourquoi? Bah, parce que là, c'était chaud comme jamais. Bah, moi aussi, c'était chaud. Il y a du trou de balle. Moi, je fais un élargissement de trou de balle. Et tu sais très bien que quand il y a du trou de balle dans un clash de la drague, en général, les voix suivent. Bah pourquoi? Tu veux donc un deuxième tour? Bah ouais. D'accord, donc Romano, toi tu t'en fous parce que t'as... Non mais bon, moi aussi, un deuxième tour... Bah on a serré chacun, on a serré tous les deux donc... Donc t'acceptes, allez, deuxième tour pour tout le monde. Deuxième tour express et juste après vous allez pouvoir voter. Alors, faites-nous rêver sur...
sur le clash. Bon, allô. Ouais, Jérémy. Oui, c'est comment... qui? Bah, c'est Michel au téléphone, comment ça va? Ça va et toi? Bah, nickel, ça va. Dis-moi, je t'appelle là, j'avais un cadeau pour ta femme pour la Saint-Valentin. Elle est à la maison ce soir ou pas? Mais c'est Michel, Michel qui aussi? Toi, je te connais pas, mais ta femme, j'ai déjà vu 2-3 fois. Et puis, bah, pour la Saint-Valentin, je voulais lui offrir un petit truc exceptionnel, quoi, un truc qu'elle aura jamais vu de sa vie. Ah, ça. Et je voulais passer à la maison ce soir, histoire de me présenter, quoi. Ouais, mais soit c'est une blague, tu me dis qui t'es ou... Bah je viens de te dire, je suis Michel, et puis j'aurais bien aimé faire ta connaissance à toi aussi. Yeah, Michel, apparemment un mec que tu connais, que tu feras un cadeau pour un Saint-Valentin, je sais pas trop quoi. Ouais. Je voulais lui offrir une nuit de folie avec moi ce soir. Bah je pensais pas que t'étais là ce soir, pour te dire la vérité. Ouais. Ouais. Donc Par ça, tu viens d'où? Bah par ça, je suis pas là, je suis pas très loin, hein, tu sais, je suis là dans 5 minutes si tu veux. Ouais, tu viens d'où? Bah juste à côté de chez toi. Bah ça me dit pas... Bah là dans le GPS, il y a marqué 5 minutes, je suis chez toi. D'accord, et j'habite où? Bah j'ai l'adresse, tout, t'inquiète, hein, c'est dans le GPS, hein, je te dis dans 5 minutes, je suis là. Vu que c'est dans le GPS, tu dois savoir où est-ce que j'habite. Bah t'inquiète pas Jérémy, ce que je fais dans 5 minutes, c'est que je peux venir chez toi tout de suite. Je frappe à ta porte, ouvre, et puis bah après on fait connaissance. Sors les rames. Ta gueule toi. Allô? Ça, on pourrait passer une bonne soirée, non? Sors le moteur maintenant. Ta gueule. Jérémy, c'est quoi le délire là? Bah le délire c'est que pour la Saint-Valentin, je voulais faire l'amour à ta femme toute la nuit. Limite te tu faire, veux une... faire l'amour à ma femme toute la nuit pour la Saint-Valentin. Bah écoute, y'a pas de problème, débarque, tu sais où ça se trouve. Vu que t'as le GPS, y'a pas de soucis, t'accueillerai les bras ouverts mon pote. Bah pas de soucis, j'espère que tu me feras un câlin quand j'arriverai. Ouais t'inquiète, un joli câlin. T'inquiète. Je crois que tu vas t'occuper de moi, c'est ça? Ouais. Je sens que pour la Saint-Valentin on va faire un truc à trois. Ouais t'inquiète, pas de soucis. On va s'amuser toute la nuit hein. Vas-y, ça marche. Est-ce que tu vas faire transpirer mes petites fesses? C'est pas tes fesses que je veux faire transpirer, mais t'inquiète. Ah bah si tu veux mon sexe, hein, y a pas de problème. Hein. Ah non mais regarde, je vais raccrocher parce que je suis occupé de faire à manger, donc en plus ça tombe bien, si tu viens tu vas pouvoir manger aussi. Bah écoute, ce que je fais c'est que j'arrive dans 5 minutes, on bouffe ouais, ensemble, dans 5 minutes, y a pas de soucis. On se remplit l'estomac et après je m'occupe de ta femme et je m'occupe de toi pour te remercier. Vas-y si tu veux. Bon prépare tes petites fesses, j'arrive, à tout de suite. Ouais, bisous mon chéri, à tout de suite. Et bah voilà. Et voilà. Pardon. Tu t'es trompé de bouton. Le mec, je fais l'amour, je fais l'amour à sa femme et en plus il me fait à manger gros. Ouais, par contre, le coup sur les fesses, tu vois, c'est là ce moment-là, c'est pas très grave. Je peux faire un petit commentaire là, je pense que c'est l'un des gérages le plus majestueux que tu aies le fait. Le plus beau gérage, t'imagines-toi, l'autre il m'invite même à manger gros. C'est vrai, t'as même à bouffer. L'autre il me prépare de la bouffe. Romano, je m'en fous de bouffer, je préfère qu'il me bouffe la bite. Voilà, alors justement. Oh bah tiens. Romano, on y va. Vas-y, envoie mon appel, c'est qui? Allez, on envoie ton appel. Qui? Ludovic. Kiki. Ludovic. Ne panique pas, mec. Ah non, moi je panique pas, ça va. Ah, mais je vois que tu commences à bégayer. Non, mais ça, c'est normal. Hein. Bah. Je bug toujours, moi. D'ailleurs, on aura le top bug tout à l'heure. Allez, Ludo. Une Saint-Valentin de rêve, hein, quand même. Bah, attends, qu'est-ce que tu crois? Ah non, mais une Saint-Valentin. On n'aurait pas rêvé mieux, hein. Comme on n'en a jamais eu. Hein. Ça fait plaisir. Bon, cinquième sonnerie pour Ludo. Ouais, une sixième, parce qu'on est gentil. Ouais, allez, hop, évacuez-moi ça. Allez, hop, d'accord, on passe au prochain, là. Le suivant, c'est qui? Stéphane et Nadine. Bah, t'as les deux, tiens. Stéphane et Nadine. Essaye de faire aussi fort que ton premier coup de fil. Et on va avoir des résultats serrés, là, tout à l'heure, je sens. Hein. Allô, ici le commissariat de police. Oui, bonsoir, commissariat de police. Allô. Ah putain, j'ai même pas le temps de jouer, c'était bon, pas le bon numéro a priori. Elle a dit allô, mais vas-y, je donne un autre appel. Bah on était au commissariat, on va pas draguer la police. Ah pourquoi pas, moi. Vraiment, quelle bonne comédienne. Ouais. Allô. Bon, je suis génial, je te donne un autre appel, normalement ça compte pas. Toi, tu donnerais du tout, c'est moi l'arbitre, man. Ouais, mais monsieur l'arbitre, parce que toi t'es pas assis, je sais pas pour qui tu marches. Vas-y, Romano. Marche pas, il est assis là. Ouais. Normalement, les règles... C'est vrai, j'arbitre sur mon siège d'arbitre. Oui, il est sur sa chaise haute, comme au tennis. Oui, c'est ça. Et je regarde les deux clasheurs se démener pour essayer de séduire. Oh, c'est qui? Putain, moi, ça y est, là, ça commence, c'est la galère. Allô, allô? Oui? C'est Patrick. Patrick? Oui? Oui, bonsoir, comment ça va? Oui, c'est qui? C'est Jean-Louis à l'appareil. Un ami de ta femme, elle est là ce soir ou pas? Oui. Ah, parce que je voulais lui amener son petit cadeau pour la Saint-Valentin. D'accord. Donc ça ne pose pas de problème que je vienne la voir? Non.
non, d'aucune façon. Non, 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 parce que je vais acheter un petit string là, bien sympa. Elle va l'essayer devant moi et puis après, bon, pour me remercier, j'imagine qu'elle aura envie de faire l'amour avec moi. J'en doute pas. Ah bah voilà. Pour ça, je te souhaite une bonne soirée. Ah bah écoute, moi j'arrive dans 5 minutes, à tout de suite. Bah voilà, bien fait, bien géré. Je m'occupe de sa femme, le mec, sans aucun problème. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Il est un peu bourgeois, lui. On a eu 4 coups de fil, 4 serrages ouais, à la suite. Ouais, c'est dingue, hein. Et en plus, on a eu en bonus une comédienne qui nous a fait très bien le détecteur de police. Elle a très bien fait, Julie Lescaut. On a eu Julie Lescaut aussi au téléphone pendant que je la drague. Bon, ton deuxième serrage, c'était moyen, quoi. Ah bah écoute, ça c'est à vous de voir maintenant. C'est ton avis, je m'en branle. Je lance les votes parce qu'il est déjà 22h28. Vous votez pour Cédric d'un côté ou pour Romano. Bon, votez Romano, va. Votez Romano, R-O-M-A-N-O. Moi, cher, en plus, je me fais inviter à manger. Truc ouf quand même. Romano, il va vous parler de l'anus, je pense. Ah bah ouais, évidemment. Moi, dès le premier coup de fil, bim, élargissement du trou du cul du mec. Je fais l'amour avec l'homme, la femme. Et deuxième coup de fil, j'amène le string. Après, je fais l'amour à sa femme. Et il est content, mais il me dit oui. Eh bah, votez Romano d'un côté, Cédric de l'autre. À vous de choisir. Le temps d'écouter Booba, ça vous laisse. Non, 53-47. Ah, excuse-moi, je t'ai fait peur. C'est le pute qui a gagné. C'était serré, hein. Cédric, tu gagnes. Tu gagnes le clash de la drague, Cédric. Par 53% des voix. Ah, merci, merci. Bravo, écoute, je suis content. Ouais, écoute, merci, merci. Si c'est lui la bite. Bah ouais, écoute, ouais. Grave. Il est deg. Non, ça, c'est la famille. Je crois qu'ils veulent pas, ça. Ouais, il faut ce qu'ils veulent. Est-ce que vous voulez sucer Cédric? Non, ça va aller tranquille. Ça va aller. Non, mais si vous voulez. Abel, coach Love, tu veux sucer Cédric? Vas-y, docteur Love. Non, non, mais tranquille. Bon, ça fait plaisir. En tout cas, je tenais à vous remercier. Putain, mais là, c'est une catastrophe. Combien on en est au mois de février? Lundi, t'as gagné. Aujourd'hui, c'est Cédric. Ça fera la belle vendredi. Ah, mais lundi, c'était son anniversaire. Bah ouais. C'est pour ça que j'ai laissé gagner. Là, ce soir, il n'y avait pas de pitié, mon pote. 53, Cédric. En mode Saint-Valentin. Ouais, quoi, pas de 53%. Pitié, ça, t'as fait 53. Hein, tu m'en je vous remercie. Tous ceux qui ont voté pour moi, la team Lebel, je vous aime très très fort. Ah, le mois de février 2013, il est maudit pour moi. Ah ouais, putain. Pour moi, il commence bien. Bravo, Cédric. Et vendredi. Merci, monsieur l'arbitre. La belle a pas loupé. Alors, je prête un de mes coachs. Il y a. Ah mais vas-y, c'est bon les gars, vous emballez pas le mec.